Eh bien, salut à tous, c'est Warnumer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale car ça va être une vidéo explicative de quelque chose en particulier. C'est, je pense, quand je vais me retourner, vous allez voir tout de suite ce que c'est. C'est le jeu Shippuden. Donc, le jeu Shippuden, qu'est-ce que c'est? On a fait plusieurs vidéos avec Azenak sur le jeu Shippuden et on n'a jamais eu le temps vraiment d'expliquer en fait le but du jeu. Enfin, le but du jeu, tout le monde le sait, mais un petit peu les capacités de ce qu'ont tous les moutons qui se trouvent juste devant moi. Donc, moi je vais vous l'expliquer. Le joueur va être plus simple. Je vais expliquer donc un par un, je vais vous dire un petit peu quelles sont leurs capacités, etc. Tout ça. Et je vais vous dire si ça fait mal ou pas du tout. Voilà, c'est juste pour ceux qui ne connaissent pas. Si jamais vous connaissez, bah ça rendra des vidéos. Vous pouvez quand même mettre ça à like, ça fait toujours plaisir à vous abonner. Enfin, vous commencez tout d'abord par les montants en l'air. Le montant en l'air, ça vous fait sauter à 10 millions de mètres de hauteur pour vous faire aller par exemple de l'autre côté de la map. Mais bon, c'est un mouton assez chiant. Celui-là, mouton de glace, ça fait... attendez, je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait. Celui-là, je peux le montrer. Ah, donc ça fait apparaître ça, par terre, un petit peu partout. So. Voilà. Et c'est horriblement chiant. Parce que quand on marche, ici, des fois, on est glitché dans les blocs et tout. Mais bon, c'est pas trop... Enfin, voilà. Sur celui-là, c'est le mouton soigneur, donc le plus important du jeu. Donc ça soigne votre vie quand vous n'avez plus beaucoup. Parce qu'il... Il y a un mouton soignant en gros, là, ça vous soigne de votre vie, c'est tout à fait normal. Bon, voilà, celui-là vous servira beaucoup. Celui-là est un mouton chercheur. Je ne peux pas en dire parce que c'est tellement puissant ce truc que ça vous explose à la gueule, tellement c'est puissant. En gros, ce que ça fait, vous envoyez le mouton, ça explose sur la personne la plus proche, ça suit la personne en gros qui l'a vu et ça explose et ça le tue en un coup. Celui-là c'est mouton ténébreux, ça vous fait avoir un blindness que je sais pas. Il existe des poissons de blindness? Non, je ne pense pas. Non, voilà, ça m'étonnerait. Non, c'est pas grave. En fait, le blindness, c'est... Non, j'aurais bien voulu vous montrer pour ça que ça va. Le blindness, en fait, ça fait un écran noir, en fait. Bon, en gros, ça fait, en fait, vous avez un écran noir chez vous. Attendez, je vais vous montrer. Allez, hop. Voilà, en gros ça fait ça le whiteness. En gros. Et vous voyez plus d'ennemis pendant quelques secondes et tout ça. Mais bon, c'est pas trop grave. Mais ça, quand on l'a, en fait, tous ces moutons là, quand on les a, c'est bien. Mais quand on les reçoit, c'est mal. Ce mouton là s'appelle le mouton distorsion. Donc très connu pour enlever les blocs sous vos pieds. En fait, à proximité de lui, il enlève plusieurs blocs. Il le fait s'envoler un petit peu partout pour faire des trous dans les passes des autres. Voilà, mouton simple, chiant, mais pratique. Mouton interstellaire, donc celui-là ne sert à rien. Pour ma part, je trouve qu'il ne sert à rien du tout. En gros, c'est un mouton que quand vous l'envoyez, ça envoie des boules de feu sur la base. Sauf que les boules de feu, c'est... Ah voilà, pour moi, ça les envoie toujours au même endroit, donc ça fait pas de dégâts à l'équipe adverse. Enfin bref, celui-là, pas trop aimé. Alors, ce mouton-là, c'est le mouton mouton éclair, je crois, foudroyeur, je sais plus. En tout cas, c'est un mouton qui envoie des éclairs sur lui en fait. Si vous trouvez à proximité de ce mouton, un mouton, vous êtes en feu, vous perdez de la vie et vous êtes mort. Sauf que enfin, ça n'est pas perdre beaucoup de vie, donc voilà, c'est très bien. Mouton voyageur, ce qui vous permet de voyager dans la base des autres. Donc en gros, vous l'envoyez et ça vous transporte sur son dos. Et après, pour sortir, vous vous appuyez sur Sneak. Sur Sneak, et comme ça, vous êtes dans la base des autres. Ce mouton là est un mouton incendiaire, mouton très très puissant parce que son explosion est équivalent à 2 TNT, je crois. Je crois que c'est ça que j'avais lu. Je crois que c'était ça. Oui, c'est ça. Équivalent à 2 TNT, donc assez puissant. Ça fait beaucoup de dégâts sauf si il se fait tuer. Mouton à fragmentation, ça c'est génial. En gros, c'est un mouton. Il explose en fait. Enfin, en gros, c'est comme une grenade à fragmentation. Il explose et puis ça balance plein de petits moutons autour de lui, ça explose. En gros, très simple, comme dans Worms. Là, un petit mouton très simple. Voilà, c'est ça le mouton. C'est un cube de TNT qui marche. En gros. Bon, voilà, comme ça, vous savez un petit peu tout sur tous les moutons. Donc voilà, vous serez plus informé pour nos prochaines vidéos qu'on fera, je sais pas. Moi je voulais proposer les gens, n'hésitez pas à laisser un like, un pouce vert si vous voulez plus de tutos sur les jeux pour savoir un petit peu quel est leur but et qu'est-ce qu'ils vont faire dans ces jeux, n'hésitez pas à me le proposer en commentaire. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, bye bye tout le monde, ciao.